Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager mon écran pour vous partager le support de présentation du projet qu'on va vous présenter avec mes collègues Anne et Tessa. Alors, ça va prendre 2 minutes. Et est-ce que tout le monde a accès au support? C'est parfait. C'est parfait. Ok, super. Donc, je me propose qu'on se présente rapidement. Donc, je suis Raphaël Delporte, je suis chargée de projet emploi et alimentation chez Bio en Hauts-de-France. Bio en Hauts-de-France qui fait partie du réseau FNAB. Et je vais laisser la parole à Anne pour vous présenter ce qu'est le réseau FNAB pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien. Bonjour, donc je suis Anne Hegelin, chargée de mission sur les politiques politiques publiques agro-environnementales, aides et réglementations et filières animales à la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération régionale des producteurs bio en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je fais également partie du réseau FNAB. Donc, le réseau FNAB, qui sommes-nous? On est une fédération à l'échelle nationale de groupements régionaux de producteurs bio. Donc, c'est la seule organisation 100% bio qui regroupe des agriculteurs et des agricultrices bio sur l'ensemble de la France métropolitaine et outre-mer. Créée en 1978, cette fédération regroupe donc, avec les nouvelles tailles de région, désormais 12 groupements régionaux d'agriculture bio. Dans notre jargon, l'acronyme utilisé est GRAB. Ces structures régionales regroupent elles-mêmes des groupements départementaux ou interdépartementaux qui, dans notre jargon, sont appelés des GAB. Nous regroupons dans ce réseau, dans cette fédération, entre 8 et 9 000 fermes adhérentes. Et les missions principales des conseillers, des conseillères et des groupements de notre réseau sont avant tout la représentation des producteurs et des productrices bio actuels et en cours de conversion à la bio, et une mission de défense de la profession. On a également un rôle dans l'accompagnement du développement de la bio sur l'ensemble du territoire, en encourageant le changement de pratique et en accompagnant le changement de pratique des éleveurs et éleveuses, des producteurs et des productrices, et en apportant notre appui à la construction de filières durables, pérennes, ancrées dans les territoires. Dans l'ensemble de nos missions, donc elles, qui relèvent avant tout de missions syndicales, politiques et de développement. Du coup, les accompagnements que l'on propose dans le cadre de nos structures sont avant tout des accompagnements qui sont donc proposés aux agriculteurs tout au long de leur carrière en agriculture biologique, on va dire. Donc depuis le début, leur installation ou leur conversion, et une fois qu'ils sont en bio, également dans leur démarche de progrès ou dans leur questionnement pour améliorer leurs pratiques, leurs techniques, leur ancrage au territoire et le développement de leur ferme. Du coup, dans le cadre de cet accompagnement-là, on a vraiment un fonctionnement en réseau qui nous permet de co-construire, de mutualiser nos outils, nos accompagnements et d'être dans une logique d'amélioration et d'échange de pratiques que les conseillers font aux côtés des agriculteurs et des agricultrices du réseau. Donc, on est avant tout dans développer un accompagnement global, mais aussi technique, économique, individuel ou collectif, jusqu'à présent sans avoir une approche particulière du travail. Or, comme ce sont des sujets qui apparaissent de plus en plus, soit en creux, soit de façon explicite dans les missions et dans les accompagnements que l'on fait, du coup, on s'est posé une question autour de comment tirer le fil du sujet travail, et c'est ce qui a suscité le questionnement et la mise en place du projet Bibio. Donc, voici du coup les grandes lignes, les objectifs et le pourquoi de la chose. Oui.
Pardon, excusez-moi, ça grésille un peu. Oui, bah, tout à fait, je complète hein, ce que vous partage Anne, mais effectivement, on avait identifié plusieurs enjeux en amont de dépôt de ce dossier, puisqu'on l'a déposé dans le cadre d'un FACT porté et soutenu par l'ANACT, donc l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, on avait identifié plusieurs enjeux. Les enjeux que vous partagez, je pense, toutes et tous, c'est l'amélioration des conditions de travail des éleveurs et des éleveuses. Et donc, derrière ça, l'amélioration de l'attractivité du métier, puisqu'on a effectivement des enjeux en bio comme en conventionnel de renouvellement des générations en élevage. Donc, c'était un petit peu pour répondre à tous ces enjeux-là de notre réseau. Et puis, évidemment, améliorer la vivabilité et viabilité des fermes, qu'on a souhaité se pencher sur la question de la qualité de vie au travail des fermes en élevage bovin. Derrière ça, il y a une envie de monter en compétence de notre réseau et aussi d'outiller nos conseillers et conseillères techniques qui interviennent auprès des agriculteurs, comme l'a bien expliqué Anne. Et donc, pour ça, on a découpé ce projet. Ce projet a été porté par la FNAB en lien avec plusieurs régions qui ont participé, notamment la Bretagne, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Pays de la Loire, bien en Hauts-de-France, les Hauts-de-France et la Normandie. Donc avec plusieurs binômes, si je puis dire, de chargés de projet et de conseillers et conseillères animatrices en élevage, ainsi que de chargés de communication, responsables de communication de notre réseau. Vous l'avez compris, soutenu par l'ANACT, je le reprécise. Ce projet s'est déroulé en plusieurs étapes. Ça a été un projet qui vient finalement de se finaliser en fin d'année 2023, mais on a finalisé les derniers outils ce premier trimestre-là 2024. Il y a deux volets avec plusieurs étapes au sein de ce projet. Dans le volet 1, on a plutôt cherché à essayer de comprendre ce que nos propres pratiques et de valoriser aussi également tous les projets qui ont déjà eu lieu sur ce sujet. Donc là, c'est Anne qui va vous présenter ce volet 1 directement suite à ce déroulement. Et sur le volet 2, on sera plutôt sur l'identification de bonnes pratiques, la rencontre et les échanges avec les éleveurs qui mettent en place des choses au quotidien, des techniques, des façons de s'organiser pour justement améliorer leur qualité de vie au travail. Et on a souhaité aussi avoir derrière dans ce volet 2, toute une étape un peu de valorisation et de communication pour s'adresser à du grand public, à des jeunes, à des personnes qui potentiellement seraient nos futurs éleveurs et éleveuses de demain, et donc de travailler sur des outils de communication pour rendre attractif le métier d'éleveur. Voilà, sans plus attendre, je laisse Anne prendre la suite de cette présentation. En effet, donc le premier volet du projet visait avant tout à savoir d'où on partait et comment tirer le fil pour mieux traiter de la question du travail, mieux accompagner les éleveurs et les éleveuses dans leur questionnement. Avec, oui, on a oublié de vous préciser, donc Bibio pour bien-être en élevage bovin bio. Donc on a vraiment décidé de se focaliser avant tout sur les conditions de travail en élevage bovin, laitier et allaitant, et exclusivement en élevage bovin bio. Du coup, les principaux enseignants, pour le volet 1, reprenons, pour le volet 1, on s'est avant tout posé la question de quoi parle-t-on et d'où part-on? Pour essayer avant tout d'identifier quelles étaient la façon dont les questions du travail ou de l'attractivité du métier, ou les deux, étaient déjà traitées dans le cadre des accompagnements que l'on faisait dans le cadre de nos activités au sein du réseau bio. Donc côté conseiller et conseillère, et côté éleveur, comment aussi la dimension travail étaient perçus ou avaient été accompagnés dans leur carrière jusqu'à présent. Donc ça, c'était un peu pour identifier quel était l'état des lieux d'où on partait et d'où on parlait au sein du réseau. Et on s'est aussi, bien entendu, intéressé à ce qui existait déjà dans la panoplie des boîtes à outils déconseillées, tout réseau confondu, et tout projet autour du travail qui existe déjà. Parce que c'est un travail qui est déjà largement travaillé, notamment au sein du RMT Travail.
Et donc, du coup, on est allé interviewer et toquer à la porte de différents experts, conseillers et chargés de mission qui s'étaient déjà coltinés au sujet et qui avaient déjà beaucoup d'expérience en la matière, ben, pour voir ce qui existait déjà dans les boîtes à outils, ce qui existait déjà dans les cogitations en termes de méthodologie et en termes de fils à tirer pour mieux aborder le sujet. Ensuite, à la fin de ce volet-là, nous avons essayé de faire un séminaire de travail pour mettre toute cette matière en cogitation et en commun, afin d'en tirer des enseignements qui soient le plus généralisable possible et le plus appropriable pour tous, en dehors de la cellule que nous avons constituée au sein du projet pour faire émerger des enseignements. Donc sur la phase identification de là d'où on part, on a du coup passé du temps à faire des entretiens en interne au sein du réseau, donc auprès de 15 conseillers et conseillères du réseau dans l'ensemble des régions qui étaient mobilisées dans le cadre du projet. On a également interviewé des éleveurs et des éleveuses en élevage allaitant et en élevage laitier bovin bio, afin justement bah, de savoir comment se passaient les questions du travail, comment ils avaient été accompagnés ou pas, ou quels étaient leurs besoins et leurs attentes. Et en termes d'interview de personnes ressources extérieures au réseau FNAB, nous avons mené une douzaine d'entretiens avec des personnes ressources et des experts. Et nous avons fait une large biblio aussi dans l'ensemble des projets comme le RMT Travail, bien entendu, auprès de l'Institut de l'élevage, auprès des CIVAM, de la MSA, de l'ANACT, du réseau TRAM, de VETAGROSUP, l'Institut de l'élevage, je crois, je l'ai déjà dit, et en creusant un peu différents projets, notamment les projets Boost ou les projets Transail. Ce qu'il en ressort en termes d'enseignement de toute cette matière. Tout d'abord, le fait que les questions du travail, en gros, au sein du réseau FNAB, on a constaté qu'on faisait de la prose sans le savoir, à l'instar de Monsieur Jourdain. Et que du coup, nous traitions des questions de conditions de travail sans avoir forcément de méthodo très précise, ni d'attention spécifique, mais que les conditions de travail n'étaient pas absentes de l'accompagnement ou des questions que l'on pouvait traiter auprès des éleveurs et des éleveuses. Mais l'intégration des sujets liés au travail, tant quantité que qualité de vie au travail, n'était pas forcément systématique, ne faisait pas l'objet d'une méthodo spécifique ou en tout cas bien identifiée, et du coup n'était pas forcément conscientisé. C'était parfois des sujets qui étaient en creux ou qui apparaissaient soit autour d'une question technique, soit autour d'une question économique. En tout cas, jusqu'à présent, ce n'était jamais le sujet central ou la porte d'entrée pour l'accompagnement que l'on proposait. Et en sachant que je ne pense pas vous apprendre quelque chose, mais c'est un sujet qui est un peu sensible, toujours perçu comme étant très intime, liant à la fois la vie professionnelle et la vie personnelle des éleveurs et des éleveuses, et donc un sujet à prendre avec des pincettes ou en tout cas avec précaution, et sur lequel parfois les conseillers et les conseillères se sentaient soit peu légitimes, soit un peu en limite de. Comment dire, pas forcément très à l'aise parce que en ayant un peu l'impression ben justement de forcer l'intimité des éleveurs et des éleveuses sur lesquels on n'était pas forcément attendu. Donc, en plus, il s'avère que les salariés, les conseillers, conseillères, techniciens, quel que soit leur profil et leur métier, étaient parfois plus confrontés à la question du travail dans certaines situations, notamment au moment de basculement ou de changement majeur dans la vie des fermes, par exemple au moment de l'installation ou de la conversion ou d'un changement technique très important, choix par exemple en élevage laitier de passer à la monotraite, soit avec des fermes particulières qui avaient de la transformation ou qui décidaient de se lancer dans la vente directe, sur lesquelles forcément la question du travail, quantité et qualité arrivait sur la table.
soit avec des demandes explicites qui n'étaient pas forcément le sujet majeur, mais qui apparaissaient vite dans les questionnements posés par les éleveurs auprès des conseillers. Par exemple, au moment de un GAEC qui évolue, soit qui associe une nouvelle personne, soit qui perd une personne, et sur lesquelles, ben, du coup, la répartition du travail peut être questionnée. Soit à des moments plus informels, à l'occasion de formations ou d'échanges, etc. Voilà, et avec des entrées particulières qui étaient permises à l'occasion d'utilisation d'outils d'accompagnement liés à une problématique qui n'était pas une problématique de travail, mais qui pouvait aussi traiter de problématiques de travail. Par exemple, au moment de se poser la question du passage à la bio et d'identifier, ben, les marches à gravir pour une conversion à la bio réussie, ou au moment de questionnement autour de la construction du prix de revient pour des éleveurs et des éleveuses. Diapo suivant, merci. Côté salarié, il en est ressorti de ces différents interviews, entretiens approfondis, que la question a priori du travail était souvent limitée à la question du temps de travail, ou en tout cas, a priori, plutôt perçue comme ça, avec une approche quantitative. Quand on parle d'autres sujets également, parfois le travail pouvait apparaître, notamment dans le cadre d'une approche globale qui est quand même un petit peu dans notre ADN de mode d'accompagnement des éleveurs et des éleveuses. Donc on a fait le constat de ne pas avoir de méthodologie ou de cadre d'analyse clair, ce qui pouvait parfois mettre les conseillers et les conseillères en défaut ou en position un peu, pas d'illégitimité, mais en tout cas pas franchement très à l'aise pour aborder le sujet, parce que bah, comment faire, par quel bout tirer le fil. Et avec parfois un manque de concept en fait pour savoir exactement de quoi on parle et comment l'aborder sans dériver. Côté éleveur et éleveuse, de nombreux sujets arrivent souvent sur la table quand le mot travail est prononcé. L'organisation du travail, la planification du travail, l'organisation et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la question de l'efficacité dans le travail ou de la qualité de vie au travail également est souvent abordée. Et enfin, une question un peu plus sensible, c'est aussi la reconnaissance du travail et parfois la perception que les collègues agriculteurs non bio peuvent avoir sur la qualité du travail qui est mené sur les fermes bio et qui peut parfois être aussi un frein à la conversion si les éleveurs ont l'impression d'être jugés par leur pair sur la qualité de leur travail une fois le passage en bio fait. On n'a pas identifié de lien ou de questions systématiques autour du travail selon la typologie des fermes, dans le cadre uniquement des fermes d'élevage bovin que l'on a identifiées. Donc pas plus de questions de travail sur les petites fermes ou les grandes fermes, ou plus en lait qu'en viande. A priori, il n'y a pas de caractéristiques thématiques et typologiques. Et on a observé une très forte capacité des éleveurs et des éleveuses que l'on a interviewés à prendre du recul par rapport à la notion de travail, notamment par rapport à la quantité de travail, en particulier quand les éleveurs et les éleveuses ont une vie professionnelle en amont, avant de s'installer en agriculture ou avant de s'installer en agriculture bio. En gros, alors c'est une hypothèse qu'on a posée, que du fait de questionner leur système en ayant eu à changer de système en passant à la bio notamment, ou en choisissant de s'installer en bio, on pressent une plus forte capacité des éleveurs et des éleveuses à questionner le système, y compris à questionner le rapport au travail, et donc plus facilement à se poser des questions qui peuvent paraître parfois plus tabous
enfin, que l'on suppose être plus tabou dans le secteur conventionnel. Donc ne pas hésiter, les éleveurs et les éleveuses n'hésitent pas à se poser la question de poser des limites par rapport à la quantité de travail, à se dire qu'un bon éleveur n'est pas forcément un éleveur qui travaille tout le temps. Par exemple, je caricature un peu, mais en tout cas, la prise de recul et la remise en question des normes sociales par rapport au travail semblent ne pas poser beaucoup de problèmes aux éleveurs et aux éleveuses bio que l'on a interviewés. Voilà. En termes du coup d'écogitation et de la matière que l'on a travaillée, quels ont été les besoins qui sont ressortis en termes d'identification? Côté salarié, pour être plus légitime et plus à l'aise pour dérouler le fil et aborder les questions du travail, un net besoin d'avoir plus de notions, de cadres d'analyse et d'outils pour mieux intégrer de façon fluide la dimension travail ou d'avoir systématique le réflexe penser travail quand on fait un accompagnement global. Et avoir des billes ou des garde-fous pour ne pas se sentir en difficulté. On a perdu la connexion avec Anne. Bon ben c'est rassurant, c'est pas de notre côté. Alors on Non. attend. On attend, on ne bouge pas. Elle a été déconnectée parce que je vois pas l'écran. Elle est figée, hein, elle est figée. Elle Elle est n'a pas payé figée. la... Je Elle n'a pense pas payé que l'abonnement Internet. je pense qu'elle s'en est peut-être pas rendue compte qu'elle était figée, qu'elle ça ne passait plus. Je lui ai envoyé un message en espérant qu'elle le reçoive. Ah, ça y est, elle a été déconnectée. Bon, ce sont les aléas du direct, hein. Oui. Eh ben, si ça vous va, en attendant, je peux prendre la suite Oui. pour faire la transition. Oui, et ben, je reprends où on était, Anne. Côté éleveur et éleveuse, on a eu des retours. Alors, comme c'était une première phase, on les a interrogés plutôt sur la manière dont ils avaient été accompagnés, eux, comment ils avaient ressenti un peu leur accompagnement aussi à l'installation ou à la conversion sur ces sujets. Et donc, en fait, peu importe par quelle structure, de quel réseau ils avaient été accompagnés. Donc, pour expliquer, les profils qu'on a sélectionnés étaient à différentes étapes de leur carrière. Donc, soit jeunes installés, soit en fin de carrière, soit plutôt des personnes qui venaient pas forcément du monde agricole et qui arrivaient du milieu agricole et qui venaient de s'installer à une trentaine, quarantaine d'années à peu près. Ce qui explique que ça nous permettait d'avoir vraiment des besoins qui répondaient un peu à différents profils de producteurs. Et donc, ils ont vraiment exprimé le besoin, en tout cas l'attente de la part qu'ils ont par rapport à nos réseaux, d'être en mesure de répondre à des éleveurs et des éleveuses qui font des demandes explicites. Donc, qu'on ne se retrouve pas forcément en difficulté lorsqu'on a une demande explicite et qu'on puisse avoir justement toutes les notions, le cadre d'analyse, les outils cités par les salariés plus haut pour pouvoir répondre à ces besoins formulés par nos adhérents sur les différents territoires ou les non-adhérents, mais qui ont envie d'être accompagnés par nos réseaux. On nous a aussi partagé le besoin d'être assez vigilant, en tout cas d'être vigilant de la part de nos réseaux dans certains cas précis, potentiellement là où on arrive aussi à des difficultés assez importantes sur certaines fermes. Et donc du coup, c'est poser aussi la question du lien avec le projet Accordae qui est en cours par d'autres réseaux partenaires. Alors, je vous présente, en attendant que Anne revienne, le livrable qui a été produit suite à ce premier volet. Donc, ça a été un guide à destination de nos conseillers et conseillères du réseau FNAB, alors pour s'approprier justement le sujet travail. C'est assez synthétique, ça fait 8 pages comme vous le voyez. L'idée, c'est un peu de, alors vous voyez, une échelle un peu d'évolution de maîtrise du sujet, avec comment est-ce que
J'en arrive à être juste sensibilisée. Et donc là, on avait prendre connaissance des outils du projet Bibio, le besoin de savoir réorienter ou orienter. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition les choses qui ont déjà été testées par d'autres conseillers, d'autres réseaux, de pouvoir relayer aussi à d'autres réseaux qui sont beaucoup plus experts du sujet. On voit notamment, on parle de, on fait référence à la MSA qui nous a accompagnés sur un des séminaires proposés lors de ce projet. De valoriser aussi l'ensemble des acteurs qui agissent sur ce sujet du travail sur nos différents territoires. Donc là, de valoriser l'ensemble des contacts utiles pour les conseillers. Ensuite, on a l'étape suivante qui est de répondre aux premiers besoins. Et donc là, plutôt en posture de co-animation d'une journée d'échange ou d'un groupe d'échange sur ces sujets. Et donc avec la valorisation un peu de tous les déroulés qu'on a pu tester dans nos réseaux de journées, d'échanges autour des questions du travail. Et la dernière étape qui serait plutôt la maîtrise, plus on va dire totale, je ne sais pas, mais en tout cas vers maîtriser vraiment ces sujets. Et donc là, on est plutôt sur une démarche de formation. Et donc là, on amène aussi vers la formation du CIVAM qui a été proposée dans le cadre du projet Transae, qui permet aussi de sentir plus légitime dans l'animation de journées thématiques ou de formations sur ce sujet pour les conseillers des différents réseaux. Donc voilà, on a un peu cette échelle-là qui permet au conseiller qui se guide de savoir où il a envie d'aller et donc en fonction de là où il a envie d'aller, de pouvoir avoir les réponses à ses questions. Donc voilà, dans ce guide, il y a plusieurs choses, il y a des fiches outils. Finalement, quel est mon mandat? Est-ce que je m'autorise aussi d'accompagner sur ces sujets? Les préconisations qui permettent de se lancer en toute sécurité, les grands enseignements sur une approche travail aussi en collectif et puis de reposer les bases un peu des définitions de la qualité de vie au travail. Et puis, il y a aussi tout ce qui est situation plus difficile, délicate, donc comment pouvoir répondre aux besoins des producteurs quand on nous sollicite sur des situations plus complexes. Donc voilà, ça renvoie évidemment à de nombreuses ressources et contacts utiles de l'ensemble des partenaires et experts qu'on a pu rencontrer également lors du volet 1. Et puis ça répond aussi aux besoins des conseillers de nos réseaux qui ont envie d'être outillés ou du moins d'avoir un peu une fiche ressources repères qui puisse répondre à leurs besoins, soit dans l'urgence, soit sur du plus long terme pour maîtriser et monter en compétence sur le sujet. Anne est revenue. Eh bien, parfait. Anne, je te relaisse la parole si tu veux compléter. J'ai pris le relais en attendant. Toutes mes excuses, une déconnexion sauvage, une coupure d'internet. Oui, donc du coup, désolée, je n'ai pas vu où tu en étais, Raphaël. C'était la présentation du guide, c'est ça? Oui, voilà, j'ai présenté rapidement le guide, oui. Donc en effet, ben ce guide est donc issu de l'ensemble des travaux du volet 1, donc les entretiens des conseillers, des éleveurs, du séminaire de travail de mars 2023. Il s'appuie effectivement sur toutes les ressources identifiées dans la phase biblio auprès des experts mobilisés en interview ou sollicités à l'occasion du séminaire de travail et vise à sont organisées autour des quatre étapes que les conseillers peuvent rencontrer, alors pas forcément de façon chronologique, dans leur façon d'appréhender et de traiter, d'accompagner les éleveurs et les éleveuses dans les questions du travail. Donc soit sur la phase de sensibilisation, donc pour s'approprier et pour découvrir un petit peu le sujet, soit dans la phase d'orientation. Quand les conseillers et conseillères sont sollicités autour d'une question directement du travail ou qui fait référence à des questions de travail, de quantité ou de qualité de vie au travail, d'avoir des outils ou des réflexes ou un cadre d'analyse et de réflexion pour pouvoir répondre aux premières questions, et plus sur une étape dite de maîtrise pour pouvoir vraiment accompagner le sujet travail de façon approfondie. Bien entendu, l'ensemble des ressources sont identifiées et sont sourcées, donc on ne s'approprie pas des outils et des méthodes qui ne sont pas issues de nos propres cogitations, mais on s'appuie largement
notamment sur les fiches outils ou de l'Institut de l'élevage ou issus du réseau CIVAM, de l'appui de l'INRA, de VetAgroSup, etc. De la MSA également et des modules de formation qui sont utilisés ou des fiches outils diverses et variées et l'ensemble des ressources mises également à disposition dans le cadre du RMT Travail. L'ensemble de ce guide synthétique et qui se veut le plus pratique possible et commence sa vie en matière de diffusion et d'appropriation au sein du réseau FNAB et on se pose actuellement la question de voir quelle sera la stratégie de communication plus largement, mais pour le moment, nous n'avons pas tranché sur le sujet. Voilà, avec toutes mes excuses encore pour cette brève interruption. Et du coup, nous pouvons passer au volet 2, qui est plus le côté ben, travail sur la communication et sur la mise en pratique en action test menée au sein du réseau. Merci Anne. Je prends le relais pour vous présenter un petit peu la méthode. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'être assez synthétique sur les résultats de ces entretiens. Je vais vous proposer une petite synthèse des entretiens réalisés. Alors, on a réalisé 13 entretiens auprès d'éleveurs et d'éleveuses bio dans 4 régions différentes en France et on a animé 3 groupes qui, du coup, permis de toucher 17 autres éleveurs et éleveuses bio dans 3 régions, donc 3 groupes qui ont été animés autour du sujet travail, justement, spécifiquement pour définir collectivement ce qu'on entendait par là et qu'on puisse avancer aussi également sur et tester, on va dire, une animation de groupe autour du sujet travail. Donc, sur ces 13 entretiens que j'ai cités un peu plus haut, il y a 11 visites de ferme qui ont été faites suite aux entretiens réalisés avec des observations participantes pour vraiment bien comprendre le cadre un peu de travail de ces éleveurs et éleveuses qui ont répondu présents pour être interrogés. Dans ce cadre. Alors, pour commencer, je vais vous partager un petit peu les différents profils qu'on a mobilisés. On a souhaité avoir vraiment une approche assez diversifiée et donc pouvoir s'appuyer sur différents critères de sélection pour sélectionner ces éleveurs et éleveuses qui ont répondu à nos questions. On a donc évidemment l'âge, là où on en est dans le parcours à l'installation, dans la carrière, le type de production, puisque vous l'avez compris, on s'adresse aux éleveurs bovins allaitants et bovins laits, la trajectoire de la ferme, pardon, le parcours du ou de la chef d'exploitation. Voilà, on a essayé vraiment une vue d'ensemble assez globale. Il se trouve qu'on avait aussi une autre clé d'entrée qui était d'avoir des fermes où la qualité de vie au travail est justement un sujet qu'on aborde facilement et où on a justement mis en place des techniques, une certaine organisation du travail ou des techniques vraiment propres à la production qui permettent d'avoir en tout cas de répondre aux objectifs de qualité de vie au travail que les éleveurs et les éleveuses avaient. Donc, il y avait quand même, c'était assez orienté. Il y a vraiment une clé d'entrée qui est, on veut des fermes un petit peu exemples, ou en tout cas retracer des bonnes pratiques dans les fermes bio de nos réseaux. Donc, voilà un petit peu les différents profils qu'on a rencontrés. Alors, il y a plusieurs profils qui se croisent et qui s'imbriquent finalement dans ces paysannes et paysans qui ont été mobilisés. Il y a les profils plutôt entrepreneurs, entrepreneuses, pour qui la performance économique, elle a une place vraiment importante, voire centrale dans la façon de fonctionner sur la ferme. Il y a les profils militants, militantes, pour qui la protection de l'environnement, de la biodiversité, de la ressource en eau, ça demeure vraiment l'objectif principal et la raison de leur engagement d'ailleurs. On a les profils éleveurs et éleveuses, c'est un peu évident, mais pour qui le bien-être animal est vraiment mis au même niveau que les enjeux qui sont cités précédemment, donc notamment les enjeux de performance économique et de protection de l'environnement. Globalement, tous et toutes ont précisé que le terme exploitant n'était pas le terme le plus adapté pour définir leur métier. Ils se retrouvent beaucoup plus dans les termes d'éleveurs, éleveuses, paysans, paysannes, producteur, productrice ou agriculteur, agricultrice, mais pas vraiment dans le terme exploitant ou
exploitants parce qu'ils estiment que ce n'est pas adapté à au métier qu'ils défendent. Ils n'ont pas l'impression d'exploiter. Et donc, le terme d'exploitant, ça a été un sujet en tout début d'entretien pour tous mes collègues et moi-même qui avons pu échanger avec ces éleveurs et ces éleveuses. On a des profils qui ont évidemment baigné dans ce milieu et qui reprennent la ferme familiale. Et on a aussi d'autres profils qui ne viennent pas du milieu agricole, je l'avais précisé, mais on tenait vraiment à valoriser aussi deux types de profils différents. Et puis, vraiment pour tous, on est sur des fermes pour qui la qualité du travail fait partie des réflexions et des choix techniques. Ce sont tous des fermes, toutes des fermes conduites en collectif, donc principalement en GAEC. Il se trouve que ce n'était pas forcément un critère, mais dans toutes les fermes qui mettent en place des choses, des organisations différentes et des techniques autour de la qualité du travail, toutes celles qu'on connaissait dans nos réseaux et pour qui ça fonctionnait bien étaient des fermes où on avait minimum 2 personnes avec évidemment des personnes qui ne viennent pas du même, enfin, qui ne sont pas de la même famille et des personnes qui sont plutôt en format collectif, en famille. Je précise qu'évidemment, il y a des fermes individuelles qui ont un modèle équilibré, mais là, l'échantillon n'en contenait pas. Voilà. On a le trois quarts de ces fermes qui ont recours au salariat, pas toutes, mais les trois quarts ont quand même recours au salariat dans l'échantillon. Les moyennes d'âge des éleveurs, c'est plutôt entre 37 et 38 ans, comme vous le voyez inscrit. Vous verrez sur toutes les slides de présentation quelques verbatim qui sont vraiment extraits des entretiens qui ont été menés. Donc comme ici. Voilà. Donc j'ai découpé la synthèse en plusieurs parties. Il y a une partie plutôt sur l'organisation du travail et la question de l'adaptation aux ressources humaines en présence et au dimensionnement de l'outil. Une partie qui est plutôt sur la question des systèmes économes, autonomes, qui sont vraiment dimensionnés au service de la qualité du travail. Et une partie, évidemment, c'est notre sujet sur la bio, qui est un outil de reconnaissance et de fierté pour ces éleveurs et éleveuses qui ont été rencontrés. Donc, sur la partie vraiment d'organisation du travail, on identifie vraiment une volonté d'adapter l'organisation du travail aux ressources humaines, mais aussi au dimensionnement de l'outil de production. Et on observe vraiment une évolution de cette prise en compte de la qualité de vie au travail avec l'arrivée des nouvelles générations, qui sont beaucoup plus exigeantes qu'auparavant. Et on a aussi des systèmes qui sont présentés par les producteurs et productrices interrogées, qui ne sont pas forcément des systèmes aboutis, mais qui sont dans une démarche d'amélioration continue et d'adaptation constante justement aux besoins en termes de qualité de vie au travail, besoins qui évoluent au cours de la vie, évidemment, si on est plutôt dans un format familial ou non, selon, enfin, voilà, selon les différents stades de notre vie. Donc on a plusieurs points qui peuvent varier d'une ferme à une autre et d'autres choses qui sont plutôt partagées par l'ensemble des fermes. Donc il y a un moindre recours aux réunions d'équipe plus formelles et aux outils de management que l'on pourrait retrouver dans toute entreprise privée sur les fermes qui sont dites familiales, alors que les fermes où les associés n'ont pas de lien de parenté et sont vraiment réunis autour d'un projet professionnel commun, on mobilise ce type d'outils dans l'organisation du travail et dans l'organisation entre les différents associés. La même chose sur la question du lieu d'habitation. Alors, on a toujours l'impression, parfois, on avait émis l'hypothèse que habiter en dehors de la ferme permettait de couper et que ça n'était pas forcément c'était vraiment un critère qui était important pour couper avec le travail et faciliter cette coupure. Évidemment, ce n'est pas partagé par l'ensemble de notre échantillon. Certains vont trouver ça beaucoup plus confortable et comme un choix évident, et d'autres choisiront plutôt la proximité géographique en habitant sur place, puisqu'ils estiment gagner du temps de cette manière et pouvoir agir rapidement en cas d'imprévu. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose qui est très partagé. Les avis ne sont pas du tout harmonisés sur ce sujet. Le salariat va être perçu aussi de manière très différente selon les personnalités des éleveurs et des éleveuses, et selon leur aisance aussi avec le rôle d'employeur. Donc s'ils sont à l'aise, évidemment. Pour eux, enfin, pour certaines fermes qui feront le choix de recruter pour gagner en confort de vie, ils auront des salariés dits confort de vie, et ça, certains l'ont cité, mais d'autres verront plutôt la gestion des salariés comme une charge mentale supplémentaire qui ne permet pas de gagner du coup en qualité de vie au travail. Donc, voilà, là, c'est encore très divisé en termes d'avis. Sur la question du temps libre et de l'astreinte limitée le week-end, par le fait d'être en collectif, bien sûr.
On a l'impression que c'est assez partagé à l'ensemble des éleveurs. Le sujet des congés et des vacances évolue selon les périodes de la vie et la configuration familiale. Mais là où on observe quand même qu'en début de carrière, certains profils se contenteront de 2 semaines par an et quelques week-ends prolongés, on va vraiment voir une tendance à l'augmentation de ces besoins au fur et à mesure de l'évolution dans la carrière pour atteindre. Donc, pour atteindre sur des fermes qui ont beaucoup de recul sur leur pratique, 6 semaines de congé en parallèle des périodes creuses d'activité sur l'année. Donc, ce qui reste assez important, avec des besoins qui seront évidemment variables d'une personne à une autre. Donc, ça, c'est encore des pratiques différentes. Certains ont choisi l'égalité entre associés avec le même niveau de vacances. D'autres ont choisi plutôt d'opter pour l'équité avec des conditions adaptées aux besoins qui peuvent évoluer. Donc, soit un système qui demande une réelle confiance entre associés et qui est assez différent d'un système égalitaire où chacun a accès à la même chose. Globalement, sur toutes les fermes, la répartition des tâches, elle se fait de manière naturelle, donc selon les appétences de chacun, mais il y a quand même cette idée que chaque personne sur la ferme doit être remplaçable pour limiter les risques. Donc, c'est-à-dire que malgré cette répartition qui est par appétence, lorsque les associés sont tous en poste, chacun doit être autonome sur l'ensemble des tâches pour limiter les risques en cas d'absence d'associés. Et en parallèle, effectivement, le cadre horaire demeure relativement fixe sur l'ensemble des fermes rencontrées pour sécuriser et stabiliser les horaires de travail de l'ensemble des associés. Ça va vraiment de pair avec une réelle planification du travail qui est très prégnante lorsque le nombre de personnes sur la ferme augmente. Donc ce cadre est vraiment de plus en plus fixe en fonction du nombre d'associés. Et ce besoin de saisonner le travail, c'est vraiment ce qui cite comme vraiment un des leviers pour permettre une meilleure qualité de vie au travail pour l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Voilà un peu sur cette partie. J'essaie de résumer, il y a énormément de matière, mais voilà ce qui ressort le plus et je vous laisse prendre connaissance évidemment des verbatim. Alors, sur la question, plutôt, alors avec une approche un peu plus technique finalement, au-delà des outils mobilisés pour l'organisation du travail, on sent vraiment que les éleveurs et éleveuses qui ont participé au projet, ils mettent toutes et tous en avant la liberté décisionnelle dont ils jouissent dans leur quotidien. Cette autonomie et cette indépendance, elles leur facilitent l'équilibre entre vie pro et vie perso, et elles se traduisent également par une prise de décision sur la ferme concernant leur système. Ils sont vraiment libres de choisir de tester des techniques. Et donc, beaucoup, en arrivant sur la ferme, ont effectué des changements avec pour objectif d'améliorer justement les performances environnementales, le bien-être animal, de gagner en autonomie, de réduire les charges et aussi d'accorder ces pratiques à leurs objectifs de qualité de vie au travail. Donc, au-delà de rapprocher leur système, enfin, en tout cas, oui, leur système de leur propre vision d'un système bio qui est cohérent, en accord avec leurs valeurs, les choix qu'ils ont faits ont aussi eu un impact sur la qualité de vie au travail. Donc, si je peux citer un peu ce qu'on nous a partagé, du gain de temps, réduction de la charge mentale, meilleures conditions de travail, ça, c'est vraiment les choses qui ressortent le plus. Donc vraiment pour les services, enfin les techniques qui ont été au service de cette cohérence environnementale et économique et au service de leur qualité de vie au travail, celles qui ont été le plus mises en avant sont donc la monotraite avec gain de temps, perte d'état des vaches qui sont moins importantes, meilleure valorisation du lait et des carcasses. Donc ça, c'est des choses qui ont été citées comme répercussions de mise en place de cette technique. Le vélage groupé, alors ça a été valorisé notamment sur les questions de simplification du travail, d'avoir plus de temps libre et d'avoir une meilleure productivité. Et la question des vaches nourries aussi est pas mal ressortie avec la question du gain de temps, d'une meilleure croissance et d'une utilisation plus efficace du pâturage. On a aussi pu observer grâce aux visites de ferme un aménagement des espaces de travail et un investissement dans du matériel qui soit adapté. Donc, en fait, une mise en place dans un espace de travail plus ergonomique, des décisions qui ont été prises sur du gain en confort en changeant du matériel qui était vieillissant, en se disant qu'on investit aussi pour gagner en confort de travail. Une stratégie aussi financière qui soit adaptée, donc ça a été pas mal aussi mobilisé, c'est-à-dire le choix du régime fiscal micro-BA, par exemple, a été cité comme attractif puisqu'il impose de limiter le volume de production et donc de travail. Donc ça a été cité comme un outil pertinent pour avoir un cadre de vie et de travail qui soit intéressant. Et de toute manière, la simplification globale du système pour limiter les tâches à réaliser, ça a été vraiment cité. On parle de l'arrêt du maïs, du pâturage à 100% pour les génisses, etc. Donc un peu tout ce qu'on vous présente aussi sur ce support-là. Et puis comme vous le voyez aussi dans les verbatims, ça a été vraiment largement repris.
Et le dernier axe de présentation, c'est vraiment qu'est-ce que la bio vient faire là-dedans, globalement. C'est vraiment du coup un des éléments centraux, et on le présente en dernier, mais c'est un des éléments centraux qui a été vraiment cité à plusieurs reprises. C'est que l'agriculture bio, elle est définie par les éleveurs et les éleveuses qui sont rencontrés comme un levier de reconnaissance des actions qu'ils mettent en place pour la préservation de l'environnement et de l'eau. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a été cité. Elle est également un levier du meilleur qualité de vie au travail. Alors, à travers la question du bien-être animal, puisque le bien-être de l'éleveur et de son troupeau sont intimement liés, et ça, je pense qu'il y a eu des présentations sur d'autres projets qui en font état. Il y a également le fait d'avoir moins de traitements pour le troupeau, d'avoir un gain de temps qui est non négligeable, et donc un métier qui soit moins répétitif aussi, dans un cadre de travail qui soit plus agréable, notamment grâce au pâturage. Ensuite, on nous a cité aussi l'absence de manipulation de produits phyto, avec un impact positif évidemment sur la santé, mais aussi sur le moral des éleveurs engagés, avec un métier qui soit plus en accord avec leurs valeurs. Et puis un système qui soit évidemment plus autonome et économe, moins dépendant et générant moins de charges externes. Donc ça a été vraiment quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Et donc finalement, le label bio, il est perçu comme une preuve de la qualité des produits et de la démarche de la ferme. C'est une manière de faire reconnaître leurs pratiques, tant en termes de protection évidemment de la biodiversité, de la ressource en eau, mais aussi en termes de bien-être animal et de paysage qui a été façonné. Donc ça, la question du paysage aussi a été citée. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que rien de ce qui est inscrit dans le cahier des charges ne semble réservé à la bio, puisque chacun pourrait piocher et tester des choses sur sa ferme. Mais c'est la bio qui amène dans cette direction. Ils sont tous d'accord pour le préciser. C'est vraiment un état d'esprit. Il n'y a aucun des éleveurs et des éleveuses qui ont été rencontrés qui s'imaginent pratiquer leur métier autrement qu'en bio aujourd'hui. Et les bénéfices finalement qui sont cités sont assez nombreux, notamment amélioration de l'EBE, amélioration des conditions de travail, redécouverte des pratiques et de son métier, création de liens, réappropriation du système, et puis retrouver évidemment du sens dans le travail qui est fourni. Et donc oui, évidemment, il y a une éleveuse qui parle aussi du fait d'avoir réussi à calmer son éco-anxiété en étant éleveuse bio justement. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, on est un peu en retard Voilà, sur je le suis désolée programme. de vous presser, il nous Je reste suis une vraiment dizaine de désolée minutes. et on passe directement à la communication si ça vous va. De toute façon, on pourra vous envoyer ce support, bien sûr. Voilà, je vais laisser Tessa prendre le relais. Merci Raphaël et bonjour à tous. Donc moi je suis Tessa Durand, je suis responsable communication à Bio de France. Et donc j'ai rejoint le projet pour travailler sur le volet communication donc de Bibio en lien avec d'autres chargés de com du réseau. Et on a travaillé ensemble sur plusieurs actions, défini plusieurs actions pour valoriser toute cette matière, parce que comme l'a souligné Raphaël, il y avait énormément de matières en fait, surtout qui ont émané de ces différents entretiens. Et donc là, on va vous en présenter quelques-unes. C'est tout frais, hein. On vient de terminer les derniers outils de communication là, ce début d'année. Donc il y a une première partie des actions qui ont été définies, qui sont effectivement donc des visuels et des vidéos. En fait, il a fallu faire vraiment des choix en matière de communication par rapport à toute la matière qui vous a été rapidement présentée, et aussi en matière de cibles. On avait envie de communiquer auprès de plein de cibles, mais finalement on a fait le choix d'orienter notre communication vers les jeunes qui sont notamment en orientation, les étudiants, et aussi un peu plus largement finalement les personnes qui sont en réorientation et pourquoi pas aussi les prescripteurs, pardon, donc les personnes qui gravitent un peu autour de cet écosystème, donc notamment les parents, les centres d'information, d'orientation. Et donc, dans l'idée de valoriser quand même une partie de ce qui a été, de ce qui a émané des entretiens menés avec les éleveurs et les éleveuses, on a vraiment voulu valoriser les différents axes forts qui sont ressortis de ces différents entretiens. Et donc, pour aller dans ce sens-là et essayer de toucher notre cible, on a joué la carte de la complémentarité en choisissant deux types de supports, donc des visuels qui vont permettre d'investir en fait finalement des lieux physiques comme les établissements d'enseignement ou par exemple des salons, des lieux de rencontre. On estimait que ça serait pas suffisant. Du coup, on a ajouté à ces visuels une petite panoplie de vidéos
plus pour investir finalement l'espace digital et les réseaux sociaux notamment. Donc on a travaillé sur quatre visuels complémentaires, en fait, qui retranscrivent évidemment très succinctement et très visuellement ce qui est ressorti de l'entretien avec quatre producteurs donc, du projet Biblio. Et pour aller plus loin, donc on a travaillé des vidéos directement avec les producteurs éleveurs en question qui ont joué le jeu en fait de répondre à un jeu de questions-réponses sous format un peu Konmini. On voulait vraiment travailler un support ludique qui sorte un peu des habitudes qu'on a en matière de communication pour valoriser parler des métiers de la bio. Et donc voilà, on a choisi ce format un peu type Konmini, court. Échange rapide questions-réponses avec alternance de multiples questions, un peu sérieuses, un peu moins sérieuses, mais qui permettent en fait d'aborder les différents axes enfin, en lien avec la qualité de vie au travail. Donc on avait listé vraiment une longue série de questions qui permettent en fait d'aborder les sujets comme la monotraite ou la bitraite, circuit court, enfin la manière de commercialiser les produits. La manière d'organiser sa journée, est-ce que les personnes vivent ou non sur la ferme, pourquoi, des outils en fait qui mettent en place sur la ferme pour, voilà, l'objectif, atteindre l'objectif de montrer que être éleveur bio, ça peut être quand même sympa. Voilà, donc cette campagne, on l'a nommée, ça s'appelle Bien dans mes bottes. Et donc, du coup, ce nom de campagne, on le retrouve sur les affiches et dans les vidéos. Et en fait, les deux supports se renvoient à la base, c'est-à-dire que les affiches proposent un QR code qui renvoie vers les vidéos pour aller plus loin. Et les vidéos, évidemment, renvoient aussi vers les affiches, mais aussi le site internet du réseau FNAM, donc Produire Bio, pour permettre aux personnes intéressées, aux jeunes intéressés, d'aller vraiment piocher un maximum d'infos pour aller plus loin. Donc, on s'appuie sur quatre producteurs de quatre régions, donc Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Et en fait, voilà, je pensais vous proposer peut-être de visionner un exemple de vidéo. Je vais vous mettre en lien dans le chat. Je vais vous mettre le lien vers une vidéo, ce qui vous permettra peut-être de visionner vous directement sur votre ordinateur. Je vais mettre ça dans la partie conversation, parce que si on visionne la vidéo directement sur ce qu'on projette, ça risque de faire bugger le webinaire, je pense. Donc voilà, je viens de vous mettre le lien vers la vidéo correspondante. Ça vous permettra de regarder et vous montrer un peu le style. Un peu décontracté, mais qui quand même transmet des informations de manière ludique et accessible en fait aux jeunes qui sont en formation. C'est ça, pour essayer d'avoir un petit peu de temps pour des questions. Je propose peut-être que les gens se copient le lien et le visionnent après parce Ouais. qu'il est déjà Ok. 55. Je Ça suis marche. désolée. Bah, du coup, je vais passer à l'étape suivante. Au niveau de la diffusion de ces outils, donc évidemment, je vous l'ai cité rapidement, on va s'appuyer sur des réseaux d'établissements d'enseignement. On va essayer de s'appuyer sur des réseaux de centres d'information, d'orientation. Voilà, on va essayer de toucher évidemment la sphère qui gravite autour des jeunes en formation. Après, en termes de communication, on a aussi fléché des supports, travaillé sur des supports qui permettent aux fermes qui accueillent des jeunes de communiquer sur des infos, évidemment techniques, pratiques sur la ferme, mais quand même orientées qualité de vie au travail. Et donc là, il y a des supports qui ont été travaillés dans ce sens pour accueillir les jeunes et les informer et leur montrer en fait qu'est-ce qui est mis en place sur les fermes en question, visitées en matière de travail en fait, pour aller vers une qualité de vie au travail et montrer voilà ce qui est possible, les marges de manœuvre possibles pour une bonne qualité de vie au travail en élevage bio. C'est une forme de scopie un peu orientée. Et ensuite, on a élargi aussi un peu le spectre de nos cibles en proposant des supports aussi pour les fermes qui accueillent notamment du grand public, qui permettent de présenter les fermes et aussi de montrer finalement à travers ces panneaux, ce qui est mis en place en matière de travail simplifié et qu'est-ce qui motive finalement les éleveurs à travailler sur la ferme avec en bio notamment. Voilà, je suis désolée, du coup, je vais assez vite sur cette partie-là.
Aussi, donc, en matière de communication, on a essayé de travailler avec des acteurs qui nous permettent de véhiculer nos messages, de communiquer nos différents outils et de rendre plus visible en fait ce qui est ressorti des différents entretiens avec les producteurs. Et donc, on s'est rapproché notamment de Pôle emploi. Et donc, ce qui est sorti de ce rapprochement, c'est la mise en place d'un webinaire qui n'est pas forcément accessible à tous, hein, c'est si je ne me trompe pas vraiment sur inscription, mais des webinaires qui vont permettre de mettre en avant en fait les résultats de ce projet Biblio. Et là, donc, Désolée, j'en ai terminé sur la communication. oui. Elle était un peu plus longue. On vous laisse juste le après Biblio pour dire que c'est vraiment un point de départ et que ça va donner faire des petits, comme on dit, du côté FNAB et du côté des différents GRAB et GAB engagés, avec d'autres projets qui vont se lancer par la suite. Et puis voilà, l'idée c'est toujours de monter en compétence dans nos réseaux et de valoriser le travail des partenaires sur ces sujets et de pouvoir les alimenter. Voilà. Merci beaucoup. On va quand même prendre 5 minutes si on a des questions supplémentaires par rapport à celles qui ont été déjà posées dans le chat et auxquelles Anne a déjà répondu. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question, vous n'êtes pas obligé de la taper, vous pouvez ouvrir votre caméra, lever la main ou ouvrir votre micro et la poser. Bon, moi, c'est pas une question, c'est une remarque, mais je trouve ça super d'avoir dans un projet à la fois eu la vision de ce que ça fait de parler travail des agriculteurs aux conseillers qui doivent parler travail avec les agriculteurs et d'avoir aussi la vision des éleveurs et des éleveuses. Je trouve ça très intéressant parce que effectivement, c'est pas un sujet facile pour ceux qui le vivent et c'est pas un sujet facile pour ceux qui doivent accompagner les éleveurs. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question? Non? Alors, Si pour j'ai la une petite question très... question, Ah, pardon, s'il vous oui, plaît. allez-y. Une petite remarque. Donc là, c'était vraiment axé sur les éleveurs bio. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même le choc des générations, le renouvellement de tous les éleveurs, que ce soit du bio, du conventionnel, de tout ce qui peut être segmenté, hein. Mais est-ce que les conclusions là qui ont été présentées, ben, peuvent se remettre, on va dire, sur l'ensemble des producteurs lait, producteurs viande de France? Comment vous voyez la chose? Enfin voilà, là, ça va communiquer fort sur la partie bio, mais voilà, ça pourrait aussi communiquer fort sur le reste, on va dire, des productions, pour donner envie toujours, non? Oui, effectivement, nous, dans notre réseau, on travaille auprès des agriculteurs bio, mais l'idée, c'est bien de pouvoir mettre à disposition les outils qui seront produits pour parler d'agriculture et d'élevage. Aussi tout court, puisque l'enjeu sur l'élevage est assez important. Et puis, effectivement, sur ce qu'on présente dans toutes les techniques mises en place sur la question d'organisation du travail, tout ce qui est mis en place aussi en termes de monotraite, de velage groupé, de vaches nourrices, de pâturage, ça, c'est des choses et des pratiques qui sont accessibles à tous. Et donc, du coup, ça permet aussi de prendre des informations pour tous les éleveurs qui seraient intéressés par ces sujets-là et de pouvoir avoir des contacts intéressants. Nous, on a un de nos conseillers qui, justement, suite à la vision du livrable que sont les vidéos, a envie de creuser sur le même type de vidéo, mais plus technique, exprès pour parler aux éleveurs des différentes techniques proposées. Donc, ça va donner. Enfin, la suite, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire germer des initiatives au sein même des collectifs de producteurs et puis de communiquer sur l'élevage de manière assez large. Pour compléter peut-être aussi, on s'est posé la question, notamment au moment de recherche d'outils, biblio, de travaux, pour voir est-ce que la question de la bio était, enfin, la façon dont on se posait la question en bio était spécifique à la bio ou pas. Il y a sans doute effectivement des choses qui sont tout à fait généralisables à l'ensemble des éleveurs bovins, bio ou pas bio. Il s'avère que la question de comment dire, la sensibilité que les éleveurs et les éleveuses peuvent avoir par rapport aux dimensions environnementales, au fait de remettre en question les normes, entre guillemets, du modèle dominant, contribue aussi à la façon dont le travail peut être perçu. Je m'explique. À partir du moment où on questionne le système, où on accepte d'être dans une logique de changement, d'amélioration,
et de faire bouger les lignes par rapport aux normes, entre guillemets, je caricature. Du coup, la question de remettre en question les normes du travail aussi, ben, arrive assez naturellement sur la table. Donc en fait, on peut supposer qu'à partir du moment où il y a un questionnement autour de la cohérence du système, autour de son mode de fonctionnement et le fait de mettre en phase l'éleveur ou l'éleveuse avec ses valeurs, quelles qu'elles soient, peut plus facilement aboutir à questionner aussi les conditions de travail en termes de quantité et de qualité de vie au travail. Et du coup, ça permet d'élargir un peu le spectre des questionnements, entre guillemets. Donc ça, à partir du moment où il y a un questionnement qui est posé sur la table et qui aboutit à « on est dans une logique de changement », là, du coup, ce qu'on a identifié et travaillé dans le cadre de Bibio est facilement généralisable aussi au conventionnel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, si des éleveurs se posent des questions, c'est qu'ils ont envie de changer déjà ou de faire évoluer leur système. S'ils ne se posent pas de questions, qu'ils sont dans leur bulle, que ce soit dans n'importe quel système, c'est foutu. Façon de parler pour eux, c'est qu'ils n'ont pas envie de changer non plus. Non, ma remarque, c'était en beaucoup de communication sur le bio. On le sent que c'est tendu et c'est compliqué. La question, elle a été mise dans le chat par rapport à, on va dire, aux débouchés qui sont très, 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 très compliqués. Mais je dirais, globalement, voilà, il faut travailler pour l'agriculture, que ce soit du bio ou du conventionnel. C'est très important, je pense. Merci. Merci à tous. Bien, il est 13h04. Il est l'heure de vous libérer pour aller déjeuner. Donc, avant de nous quitter, je vous propose de prendre connaissance des prochains événements post-travail. Donc, la session de juin qui aura lieu le 5. Donc, la question que nous traiterons sera « Qui sont ces jeunes de Bac+5 qui s'installent ?» Et puis, pour ouvrir la porte des vacances de l'été, nous parlerons circuit court et produits carnés avec le projet Victor. Et puis, nous reprendrons à la rentrée en septembre autour du travail des groupes, donc une nouvelle production du projet Acté. Et puis, nous travaillerons autour de la question du travail et de l'élevage au vin laitier avec le projet Respol le 11 octobre. Donc, si vous souhaitez partager vos travaux lors d'une pause travail, le calendrier 2025 est ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions. Et puis, j'ai vu qu'il y avait encore la question dans le chat. Donc, oui, normalement, vous retrouverez le replay de la pause travail sur l'espace du RMT Travail en agriculture ou sur la page YouTube de l'Institut de l'élevage dans la playlist du RMT. Il y aura en lien la présentation qui a été faite et tous les supports que voudront bien nous donner les présentateurs. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon appétit et rendez-vous le 5 juin pour la prochaine post-travail. À bientôt. Merci à tous.